Salut à tous amis de la nature, bienvenue sur cette Faune et Fleurs et merci d'honorer ce rendez-vous sur Canal 7. Aujourd'hui encore, la forêt nous invite à la découverte de ses nombreuses richesses, mais tout particulièrement ses grands arbres. Nous vous présentons donc aujourd'hui le tilleul. Mais avant, voici la réponse à la question de la semaine dernière. Il fallait dire de quel arbre parlait le documentaire. Vous aviez le choix entre trois réponses. La réponse A, le wakapo. La réponse B, le kumé. La réponse C, le goyavier. Et la bonne réponse est le wakapo. Cette semaine, comme je le disais, nous découvrons le tilleul. C'est un arbre des campagnes, des jardins, des villes, des avenues et des forêts. Le tilleul est un bel arbre au tronc droit, à branches inférieures horizontales et à cimes très ramifiées. Son écorce lisse de couleur gris-brun se fissure après une vingtaine d'années. Le tilleul commence son des arbres majestueux, grands, atteignant jusqu'à 40 ou 45 mètres de haut, qui trouvent des utilisations multiples dans la sculpture sur bois aussi bien que dans l'usinage. Cette essence ligneuse est très importante en apiculture. C'est un arbre à la longévité exceptionnelle, souvent centenaire comme le chêne, et pousse à l'état spontané dans les bois et les forêts de l'Europe centrale tempérée jusqu'à 1800 mètres d'altitude et pousse particulièrement en France dans le sud-est du pays. Répondez donc à la question de la semaine et participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois de mai. Et cette question, la voici. Quel est le nom de cet arbre qui pousse en Europe centrale, particulièrement dans le sud-est de la France? Vous avez le choix entre le manguier, le cocotier ou le tilleul. A tout de suite. Une fois poussée la grille de l'école, le regard s'arrête sur un imposant tilleul aux feuilles frémissantes. Et l'émotion déferle quand nous, enfants, partions à la conquête de la cour, le temps d'une récréation. Hôtes des campagnes, des jardins, des villes et des forêts, sagement alignés le long des routes et des avenues, les tilleuls nous sont si familiers que nous risquons de ne plus les remarquer. Ce sont eux pourtant qui dispensent une ombre subtilement parfumée en été. Eux qui affichent dans le ciel autant de cœurs qu'ils comptent de feuilles. Eux qui dominent en âge et en taille bien de leurs congénères. Le tilleul pousse toujours bien droit, élégamment campé sur un tronc à l'écorce lisse dans sa jeunesse, de plus en plus gercé le temps passant, pour enfin se crevasser lorsqu'il atteint un âge respectable. Il est peut-être le plus grand des arbres de nos contrées, atteignant 40 voire 45 mètres de haut. De croissance relativement rapide, il lui aura toutefois fallu des dizaines d'années pour en arriver là. Mais le tilleul a tout son temps. Il est souvent centenaire et de temps à autre plus que millénaire. Avec un houppier de forme conique, il prend parfois, incorrigible romantique, l'apparence d'un cœur, rappelant alors la forme de ses feuilles. Une allure qui est la marque de cette famille. Et pour distinguer les différentes espèces entre elles, il faut s'attarder sur les feuilles, qui toutes sont disposées en alternance pour capter le maximum de lumière, mais dont la taille et l'aspect varient. Sur la quarantaine d'espèces de tilleuls répertoriées dans le monde, toutes sont inféodées à la zone tempérée de l'hémisphère nord. Cinq sont natifs d'Europe et deux poussent spontanément en France. Le tilleul à petites feuilles, dit aussi tilleul d'hiver, et le tilleul à grandes feuilles, dit tilleul d'été.
De ces deux espèces est né un hybride non spontané, très planté le long des avenues en Europe, le tilleul dit de Hollande. Une troisième espèce est très répandue en Europe et originaire des Balkans. C'est le tilleul argenté, facilement reconnaissable à son feuillage dense, à ses feuilles, vert sombre et brillant sur le dessus, qui en font un arbre recherché en décoration paysagiste. La longévité des tilleuls est remarquable. Plus de 150 ans pour le tilleul argenté, mais plus de 1000 pour le tilleul à grande feuille, voire 2000 ans pour le tilleul à petite feuille. On dit que cet arbre met 300 ans à pousser, 300 ans à vivre et 300 ans à décliner. Sur la butte de Til en Bourgogne, une allée de vieux tilleuls d'au moins 400 ans d'âge force l'admiration. À Vaucouleurs, petite commune de la Meuse, un autre tilleul, bien plus âgé encore, et qui, pour résister au temps qui le creuse, s'accroche de toutes ses racines au mur qui le soutient. Il aurait connu Jeanne d'Arc, lorsque le 23 février 1429, elle partit à la rencontre du roi Charles VII à Chinon. Une telle longévité ne pouvait qu'alimenter mythes et légendes. Révéré à travers les âges, chanté dans les poèmes, le tilleul inspire sagesse et harmonie, amitié et fidélité. Il appartient au plus ancien folklore européen. En Grèce, il était un hommage à Philyra, dont on assure que les pouvoirs ont toujours été bénéfiques aux êtres humains. Arbre sacré des civilisations germaniques, le tilleul est un arbre légendaire et sous son feuillage fut rendue la justice. Au Moyen Âge, l'Église catholique accordait au tilleul un caractère sacré du fait du parfum de ses fleurs et de la forme de ses feuilles symbolisant le Sacré-Cœur. Nombre de tilleuls furent ainsi plantés auprès de chapelles et de calvaires. En Picardie, il est souvent planté par trois, réminiscence religieuse du symbole catholique de la Trinité. C'est au XVIe siècle, à l'instigation du duc de Sully, alors ministre des Finances du roi Henri IV, que furent plantés nombre de tilleuls dans les jardins publics et en alignement de rues. Et tandis qu'il encourage l'agriculture d'un côté, il fait cesser de l'autre les coupes sauvages de forêt, prônant même le reboisement. L'arbre a donc franchi la forêt et investi la ville. Dans l'ensemble de l'Europe, il participe alors largement à la vie publique et politique. Lieu de rendez-vous galant, abritant sous son ombrage nombre de déclarations d'amour, il fut surtout point de ralliement du discours politique et symbole de pouvoir. En Suisse, en Belgique, nombre de tilleuls rappellent un événement historique,
une bataille, une victoire. Et en France, pendant la Révolution, chaque village eut son arbre de la liberté. En 1792, on en dénombrait 60 000, chênes et tilleuls qui abritèrent sous leur frondaison les fêtes civiques de l'année suivante. Symbolique encore, ces arbres plantés en 1848 pour marquer l'adhésion à la République et qui inspirèrent à Victor Hugo ces quelques phrases. C'est un beau et vrai symbole pour la liberté qu'un arbre. La liberté a ses racines dans le cœur du peuple, comme l'arbre dans le cœur de la terre. Comme l'arbre, elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel. Comme l'arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre. Mais c'est bien plus loin qu'il faut remonter dans le temps pour retrouver la trace des premiers tilleuls. Comme la majorité des arbres à fleurs, ils sont apparus au Crétacé de l'ère secondaire, entre 130 et 100 millions d'années, et se sont rapidement étendus. Des fossiles attestent que l'espèce avait acquis les caractéristiques actuelles il y a 50 millions d'années. Le tilleul, d'un type arctique correspondant à celui des tilleuls actuels, fit sa première apparition au tertiaire, à l'Oligocène, entre moins 34 et moins 23 millions d'années. Il était alors répandu au Groenland. Au Quaternaire, il atteint des latitudes de plus en plus méridionales, Allemagne du Nord, Danemark et centre de la Russie, où il n'existe plus de tilleul aujourd'hui. Depuis, il a reculé peu à peu vers le sud en s'étendant de l'Europe à l'Asie. C'est au mois de juin que le tilleul, âgé de 6 à 8 ans, fleurit. Il se couvre alors d'inflorescences pendantes. Des myriades de fleurs, aux pétales blancs ou jaunes, rattachées aux feuilles par une bractée. Cette feuille, très étroite et à la fonction spécifique, dégage un parfum suave qui embaume l'atmosphère estivale. Hermaphrodite, le tilleul porte sur un même pied fleurs mâles et femelles, ce qui rend aisée la fécondation assurée par le va-et-vient incessant des abeilles et autres bourdons. Les fruits se forment alors. Ce sont de petites noix à coque dure qui abritent la graine. Matures, celles-ci se détachent et partent en virevoltant grâce à la bractée qui s'est entre-temps allongée à la recherche d'un terrain où s'implanter. Peu exigeant quant à son environnement, le tilleul se plaît niché dans une vallée ou juché sur un coteau, voire accroché à une pente. Certes, il préfère les sols gras et fertiles abondés de gravier, mais supporte quasiment tout pourvu qu'il échappe à des surplus d'humidité et de chaleur. Fidèle allié des aménageurs, le tilleul est réputé pour son dynamisme et sa vitalité liée à sa capacité à se régénérer par rejet de souche. Sur les éboulis grossiers, sans cesse remaniés par les chutes de falaises, le tilleul est à l'aise. Il entre ainsi dans le palmarès des espèces pionnières constitutives des forêts de ravins. Le tilleul, en effet, s'assure une multiplicité d'ancrage au sol grâce à ses nombreux rejets.
Mais la destinée du tilleul n'est pas de rester buisson. Aussi, dès que les conditions le permettent, le taillis cède la place à une futaie. La croissance rapide du tilleul pendant son jeune âge en fait une essence de lumière. Rares sont les peuplements de tilleuls. Ils sont essentiellement cantonnés en Russie, Pologne et Hongrie. Ailleurs en Europe, en France notamment, prévalent surtout des individus isolés, exploités au cas par cas pour la beauté et la rareté de leur fût. Mais il est vrai que le tilleul n'est pas le préféré des sylviculteurs, même s'ils reconnaissent le rôle que les deux espèces, à grandes ou à petites feuilles, peuvent jouer dans l'amélioration des sols. Comme tous les arbres, le tilleul offre refuge à une multitude d'oiseaux, mais aucune espèce ne lui semble inféodée. Plus fidèles, les insectes sont pléthores, parmi lesquels les gendarmes. Le Pyrrhocoris apterus est la plus répandue des punaises en Europe. Cet insecte est muni d'une carapace rouge à taches noires évoquant les anciens uniformes des gendarmes. Espèce grégaire formant des groupes parfois très importants sur le tronc et au pied des tilleuls, ce soldat se nourrit essentiellement des graines de l'arbre. Mais il dévore aussi les œufs d'autres insectes, notamment des pucerons. Plus insidieux, les acariens laissent des traces très visibles sur les feuilles de tilleul. Ainsi, Eriophyte tillae est le responsable de la gale des tilleuls, ces curieuses excroissances rouges qui apparaissent là où l'acarien a pondu ses œufs. Un autre acarien s'attaque au tilleul plutôt vers l'ouest de la France et au Tetranicus tilliarium, de son nom savant, acarien jaune plus simplement. Il pique les feuilles, celles-ci jaunissent, brunissent prématurément et tombent. C'est le cas à Villandry, dont les jardins du château Renaissance abritent 1200 tilleuls répartis en sages alignements formant d'importants quadrillages. Depuis quelques années, une lutte biologique a été engagée contre l'acarien jaune. Rien de chimique dans ce combat, mais la mise en œuvre d'une escouade d'autres acariens, prédateurs naturels des premiers, qui semblent avoir porté ses fruits. Les arbres de Villandry ont donc repris leur parure foliaire. De nouveau, ils font la joie des jardiniers qui, depuis des siècles, les taillent et les retaillent jusqu'à ce que le sommet de leur tronc prenne la forme d'une tête de chat, c'est-à-dire de grosses boursouflures nées des multiples cicatrices. Cette taille en têtard favorise l'apparition de rameaux souples qui furent longtemps utilisés comme fourrage pour le bétail ou assemblés en vannerie. Là ne sont certes pas les seuls usages du tilleul. D'autres qualités le font participer à la santé et au bien-être des hommes. Ainsi, tous les tilleuls sont hautement mellifères.
Les fleurs sont si nombreuses et leur production de nectar et de pollen si importante que les butineurs ne savent où donner de l'aile. Les apiculteurs annoncent 200 kg de miel par hectare de tilleul à grande feuille et jusqu'à 500 kg par hectare de tilleul à petite feuille. Connu de tout temps comme édulcorant, il l'est aussi pour ses apports en oligoéléments tels que le calcium, le potassium ou le manganèse. Il aurait par ailleurs, selon des études australiennes, des vertus antibactériennes. Plus encore, tous reconnaissent au miel de tilleul des qualités calmantes et sédatives. La région des Baronnies, en Haute-Provence, demeure un haut lieu de la production de tilleul. Plus de 30 000 arbres sont disséminés dans cette région où convergent des conditions climatiques idéales avec un ensoleillement exceptionnel et des précipitations modérées bien réparties sur l'année. Deux siècles de tradition et de savoir-faire et un travail de sélection strict ont permis l'obtention d'une sous-espèce locale, le tilleul des Baronnies, caractérisé par ses fleurs à grandes bractées très séduisantes et odorifères. Ce sont elles, les bractées du tilleul, qui sont récoltées en été, puis séchées. Elles seront ensuite vendues dans le monde entier pour être utilisées en infusion, en vrac ou en sachet. La pharmacopée traditionnelle attribue aussi au tilleul des vertus antispasmodiques et fait de lui un élément actif de lutte contre les rhumes, la grippe et les coups de froid. Mais plus que tout, pris le soir en tisane, le tilleul se pare d'intenses propriétés calmantes et apaisantes. Aujourd'hui, comme autrefois, à l'heure où le temps fraîchit, un coin de cheminée et une tasse fumante, c'est toute une atmosphère qui se recrée. Celle qui, par ses senteurs, restera vivace dans la mémoire de Jean Giono. Sa santé, le sucre, la prairie, la résine, la montagne, l'eau, la sève, où l'on a laissé des feuilles l'infusion de tilleul. Ou de Proust qui n'oublia jamais le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que lui donnait sa tante. On le voit, le tilleul plonge ses racines dans le cœur des hommes, au plus profond de leurs souvenirs, faisant appel à des réminiscences de bien-être et de quiétude. C'est un arbre de douceur, comme le grain fin, tendre et homogène de son bois, qui fait de lui l'un des fleurons de la sculpture.
C'est en tilleul que Jean-François Maubert crée ses formes entrelacées, ses ponts aériens entre ciel et terre, jouant de la légèreté du bois, de sa couleur claire et de sa douceur cireuse. Et pour toutes ces raisons, et parce qu'il est en fait unique, il y aura toujours besoin de tilleul. Vous le savez désormais, le tilleul a des feuilles de couleur vert clair et denté en forme de cœur avec une face intérieure couverte d'un vert, d'un duvet, j'allais dire, rougeâtre le long des nervures. Les fleurs à odeur douce et agréable, de couleur jaune, très pâle, sans petite. Nous revenons donc sur la question de la semaine. Quel est le nom de cet arbre qui pousse en Europe centrale, particulièrement dans le sud-est de la France? Le manguier, le cocotier ou le tilleul? Envoyez vos réponses au numéro 8877, précédé du code 7F et gagnez un grand plasma haute définition lors du tirage au sort de cette fin du mois de mai. Jouez autant de fois que possible et multipliez vos chances. Je vous retrouve dans la semaine prochaine pour un autre numéro de cette fin des fleurs. Restez sur Canal 7.